J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le j'ai, je n'ai jamais. Voilà, avec ma soeur Grace, comme d'hab, tu connais, nanana. Ici, ça pète. Donc voilà, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vais mettre aussi son Instagram. Voilà. Bon, je fais sa petite pub, elle coiffe, hein. Donc, En ce moment j'ai trop de rendez-vous, donc calmez-vous. Je sais pas mieux quoi. Bref, donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous êtes sûr dès que je poste une nouvelle vidéo. En fait. Voilà. Et on a des pancartes aussi, j'ai oublié de le dire. Donc, le non et le oui. Voilà. Donc, première question. As-tu déjà volé? 1, 2, 3. Bah oui. Moi non. Jamais. Moi, elle fait trop la merde. Mais je te jure, jamais. La non, vérité, jamais volé. Non. Moi j'ai déjà. Pas, genre, moi je peux vraiment pas. Moi j'ai déjà volé dans un magasin. Et j'ai déjà volé de l'argent dans le portefeuille de ma mère. C'était des pièces. Bref, j'étais petite. Moi j'ai jamais volé. Je peux pas. C'est mort. J'ai pas la conscience tranquille après. En plus, je me dis, voler dans un magasin, pourquoi en fait t'as pas d'argent. C'est comme par exemple à Primark. Je sais pas pourquoi tout le monde a déjà volé. Non, moi j'arrête de mentir, c'est un truc de jeunesse, tout le monde l'a fait. Primark, même les culottes, il m'en manque toujours une. Genre, je comprends pas en fait. Non, bref, je n'ai jamais volé de l'argent. Ok, d'accord. Moi je ne peux pas voler. Prochaine question. As-tu déjà bu de l'alcool? 1, 2, 3. Yes. Mais pas de ouf, hein. Moi, non. Moi en vrai, c'est plus quand je vais en soirée. Moi, c'est du panache. Il y a des anniversaires, je bois. Mais je bois pas, genre je vais vomir, tu vois. Mais si, je bois, maman. T'es sérieuse là? De toute façon, tu m'as jamais vu. Non, mais tu m'as jamais vu, c'est pour ça. Mais je bois, genre ça m'arrive de boire quand je vais à une fête d'anniversaire. Moi, je bois. Bah, champagne. N'importe quoi. Je te dis la vérité, c'est vrai. Bref, ça m'arrivait de boire des cocktails et tout quand je vais au restaurant. Genre, par exemple, Morito, vous voyez, des airs comme ça. Moi je bois. Voilà. Arrête de mentir, tu dis oui. Mais que de l'alcool, genre du panaché, genre. C'est tout. Bah, c'est pas de l'alcool du panaché. Bah, si, il y a de l'alcool. Bah, non, pour moi, c'est pas de l'alcool. Hein. Désolée, bref. 1%, maman. 1%, oui. Prochaine question. T'es-tu déjà fait recaler par un mec? 1, 2, 3. Qui va me recaler? Elle se prend pour qui? Non mais bref, c'est vrai. Personne peut me recaler. Mais moi aussi. Mais attends, toi aussi tu te prends pour non, qui? Non, recale, vous voyez pas? Regarde mon sourire. Tu vois, personne peut me recaler, genre. En plus j'ai trop. En plus dans tous les cas, ouais, moi je demande pas. Enfin. Ouais, de ouf, même moi je demande pas. Hein. Bref. As-tu déjà fumé? 1, 2, 3. J'ai cru que t'allais dire oui, j'ai eu trop peur. J'ai failli dire oui parce que j'ai déjà essayé de fumer la chicha, mais j'ai toussé et plus jamais de ma vie, genre ça me dit rien du tout la chicha. Genre, on m'a jamais fumé. Mais sinon, j'aime pas aussi, j'aime pas la cigarette. Prochaine question. As-tu déjà créé un faux compte pour espionner quelqu'un? 1, 2, 3. Je vais pas me justifier, ça sert à rien. Prochaine question. Non mais attends. Non mais j'ai déjà, mais vas-y. Quand? Je vais pas te dire. Non mais juste la période. Ça sert à rien. Juste la date. Bah oui, ça date, je suis sérieuse. As-tu déjà flirté avec un homme en couple? 1, 2, 3. Je crois que t'allais dire non. J'ai cru qu'elle allait dire non. En vrai, je vous explique c'est quoi le contexte. Le délire c'est quoi? C'est que, genre, en fait, je parlais avec ce mec-là, mais il m'avait dit qu'il était en couple et que ça allait pas trop bien avec sa meuf. Et le délire, c'est quoi? C'est que, en fait, on s'entendait tellement bien. Même pas sorti, j'ai flirté vite fait. Et, genre, on s'entendait bien. Et le mec, il me disait qu'il allait quitter sa meuf pour moi. Et, en fait, il a même pas quitté sa meuf. Donc, du coup, la relation, elle devenait bizarre. Donc, je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi?
En plus, ta meuf, elle sait même pas que genre toi et moi on se parle, donc c'est mieux on arrête de se parler. Voilà, voilà. Et je n'en suis pas fière parce que c'est pas mon délire de base. Mais en tout cas, genre, on rigolait bien. On rigolait bien, mais il n'y a rien eu. Tu vois, c'est pas comme si, genre, je suis sortie avec lui. Tu vois. Voilà, voilà. Prochaine question, en fait. Alors, as-tu déjà fugué? 1, 2, 3. Alors, ça, c'est les trucs de blanc. Hein. Clairement, qui m'a fugué pour aller? C'est les trucs de bas. Pour... Je quitte la maison. Le truc, c'est quoi? C'est que, vas-y, nous, si on rentrait de la fugue, les gifles, on serait prises. Alors, déjà. Alors que les autres parents, ça serait. Enfin, mon enfant, j'adore Non, mais genre, vous voyez le délire ou pas? La question c'est, as-tu déjà fugué? On n'a jamais fugué. Mais dans tous les cas, si on fuguait, t'allais nous gifler. Vous n'avez jamais fugué. Si vous fuguez, je vous coupe les pieds. Ok, bref, prochaine question. Est-ce que tu t'es déjà battu? 1, 2, 3. Bah oui. Moi je me suis. Ah, vas-y, explique. Moi je me suis pas battue, j'ai tapé la personne. C'est deux choses différentes. Toi, tu t'es battue avec. T'as tapé qui? Des garçons. Comme ça. Tu t'es battue avec. Moi je me suis battue pour un garçon en primaire. Oh. Ah, pourquoi? Non, vraiment, et c'était ma seule tape. Hein. Ah oui, je me suis battue aussi avec une perche qui était dans mon école. Elle était longue comme ça. La vérité, elle m'a tournée dans les toilettes. Mais je me suis quand même défendue. Oh, qui va se laisser faire? Bref, prochaine question. As-tu déjà passé 24 heures sans te laver? 1, 2, 3. Non. Je suis en train de bugger là. Non. Parce que maman, tu te rappelles l'époque où... Ah, tu n'aimais pas te laver? Oui, absolument. Bref, dis la vérité. Quand j'étais petite, j'avais 9 ans, je faisais quoi? Je mouillais mon éponge et je mettais du liquide. Non, du savon pour faire ça, il y a du savon pour savoir. Genre, je me suis lavée. Maman, dis-le, hey, comment je me lave? Si, tu te lavais matin et soir. Ouais. C'est bon, c'est bon. Alors, I'm queen. As-tu déjà menti pour aller à une fête? 1, 2, 3. Oui. Moi, j'ai déjà menti plusieurs fois. Oui. Maman, pourquoi tu dis un oui comme ça? Oui. Pourquoi tu dis oui comme ça? Parce que tu m'as menti. Ouais, franchement, j'ai beaucoup menti. Je vais chez Joël, je vais chez Spondart. C'est bon. Rentres. C'est bon. Vas-y, tu vas quitter. Bref, c'est bon. Prochaine question. As-tu déjà volé tes parents? 1, 2, 3. Oui. Non. Toi, si. T'as volé quoi? Moi, je t'ai déjà volé des pièces. J'assume. Et moi, non, jamais. Ouais. Moi, mais elle s'est jamais rendu compte. Des trucs comme ça, genre des 1€, des 2€ pour aller acheter des bonbons. Elle est sainte, elle non, mais rien, c'est vrai. Elle n'a jamais rien fait de sa vie. Je dois avoir la conscience tranquille. En fait, quand je dors, je peux pas me dire, ouais, j'ai volé ma mère hier. Demain, il faut que tu ailles chercher. As-tu déjà séché les cours? 1, 2, 3. Bah oui. Ah si, si pour moi. Si, j'ai déjà séché plusieurs fois au collège. Au collège, et en plus, je mentais que j'avais mal au ventre, j'avais grave pas mal au ventre. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter. Et si vous voulez qu'on fasse une vidéo aussi avec notre maman, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup sa voix, hein maman? Parce que là on doit faire une vidéo. Parce que j'ai faim, vous n'avez pas fait à manger. Ouais, bah c'est bien. Pourtant quand vous êtes au travail, vous n'avez pas fait à manger. Eh, c'est un massacre cette vidéo. Vas-y, vas-y. Salut. Salut les chéris. Bébé Banks. T'en copes deux, t'en copes deux, t'en copes deux, t'en copes deux.